Sur le plan, je dirais, des intentions de ceux qui sont intervenus donc au Nord-Mali, les Touaregs du MNLA et puis les djihadistes de tous ces mouvements, que ce soit en Sardine ou Mulhjao, vous répétez qu'il n'y a pas que l'indépendance du Nord-Mali, c'est pas une question à l'ordre du jour. C'est-à-dire que l'unité du Mali, pour vous, président d'un pays voisin du Mali, l'unité de ce pays, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Là, c'est évident. Regardez la carte de l'Afrique. Quand vous regardez cette carte de l'Afrique, elle ressemble à un miroir brisé. Il y a tellement de frontières artificiellement mises en place que je pense qu'il ne faut pas encore en rajouter. Il ne faut pas encore mettre d'autres frontières à l'intérieur des frontières actuelles. Si jamais on doit sortir des frontières héritées de la colonisation, je pense qu'il faut en sortir par le haut, par l'intégration. Déjà, les États africains actuels ne sont pas viables, alors les diviser, les saucissonner, les balkaniser, ça sera encore mettre en place des États encore moins fiables que les États actuels. Donc, je pense qu'il faut, en ce qui concerne le Nord-Mali, éviter la division du Nord-Mali. Et c'est d'ailleurs un des objectifs D'accord. de la libération du Mais si Nord-Mali. c'est pas C'est pour l'indépendance, restaurer l'intégrité du territoire du mais si Mali. c'est pas l'indépendance, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être une autonomie renforcée à l'intérieur du Mali unitaire, ça pourrait être une indépendance de telle ou telle province. Comment Non, vous mais d'abord, le voyez plus important, je pense que dans tous nos pays, le... c'est de promouvoir la démocratie, de promouvoir les valeurs démocratiques, de permettre au peuple de s'exprimer. Quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur communauté, il faut que les gens s'expriment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une autre façon d'associer les populations à la base, d'associer, de créer les conditions pour que les populations prennent en main leur destin au niveau local, c'est la décentralisation. C'est ce que nous avons mis en œuvre au Niger. Nous avons la communalisation intégrale, nous avons des régions qui sont dirigées par des responsables, désignés par les populations locales. Je pense que ça peut être une voie pour le Mali, pour que, au plan politique, les revendications posées par certaines communautés puissent être satisfaites. Alors. Bruno